Je suis une lutteuse. J'ai tellement eu d'étapes que j'ai traversées. Ça a été vraiment un combat seul que j'ai gagné, justement. Et elle est là, la fierté, en fait. Je m'appelle Karima Nagoudi. J'étais aide-soignante. Aujourd'hui, je suis formatrice insertion professionnelle à la recherche d'emploi. Suite à un accident de travail, en fait, après avoir relevé un patient, je me suis fait mal et par la suite, le médecin du conseil a pris contact avec moi et m'a dit qu'en fait, que je ne pouvais plus exercer ce métier-là. Tout a commencé à partir de ce moment-là, en fait. J'ai demandé au médecin de mettre en place un mi-temps thérapeutique. Je voulais voir par moi-même, voir si justement je pouvais effectuer encore le métier que j'exerçais actuellement. Mais en fait, les douleurs étaient tellement intenses que c'était juste pas possible en fait. Ça a été là le déclic en me disant « Stop, il faut changer ». Première étape, c'est l'accompagnement avec une assistante sociale de la sécurité sociale. La seconde étape, ça a été de faire la formation Inclus Pro. Ça, c'est cette formation, elle est dédiée aux personnes en situation de handicap dans l'insertion et la reconversion professionnelle. Ce qui est aussi important, c'est de prendre contact aussi avec une conseillère en évolution professionnelle et justement voir si le projet est viable ou pas, sinon il n'y a pas de financement en fait. C'est vraiment le deuil de mon ancien métier, à savoir que je ne pourrais plus être soignante. Ça a été vraiment là, la chose la plus difficile, ça a été le deuil. Or, parce que il faut vraiment avoir un fort psychologique pour avoir traversé ce que j'ai traversé. Ça n'a pas été simple. Tennis. Balle de match.